Deuxième partie, l'encyclique Humanum Genus de Léon XIII. Nous allons parler de la doctrine de la maçonnerie. Il y a dans mes notes beaucoup plus que je ne pourrais vous dire. Et je n'ai, hélas, pas le don de synthèse. Nous allons prendre deux ou trois sources pour traiter de ce sujet passionnant, mais qui ne doit pas trop nous passionner non plus. Comme il m'arrive de le dire, il y a des gens qui sont plus intéressés par le diable que par le bon Dieu. Alors qu'il faudrait beaucoup plus s'intéresser à Dieu qu'au diable. Parmi les très nombreuses sources qu'on peut citer à ce sujet, celle que je vous propose est tout d'abord le Magistère de l'Église. Notre conférence ne nomme qu'un document, à savoir l'encyclique du pape Léon XIII, Humanum Genus, qui. Parmi toutes les encycliques de l'Église, est la plus explicite sur le sujet. Mais il y en a d'autres qui traitent de ce sujet, par exemple la bulle In Eminenti Apostolatus Specula du pape Clément XII, datée du 28 avril 1738. C'est la première qui condamne et excommunie la maçonnerie. Cette bulle est d'ailleurs mentionnée par Léon XIII de même que les autres documents. Le péril, dit Léon XIII, fut signalé pour la première fois par Clément XII en 1738, et la constitution promulguée par le pape fut renouvelée et confirmée par Benoît XIV. Benoît XIV avait été faussement accusé d'être franc-maçon. Alors il s'est décidé, pour ce motif aussi, a publié la bulle Providas Romanorum, dans laquelle il confirmait la bulle de Clément XII et la citait même mot à mot, et puis il renchérissait sur ce document. Après, dit toujours Léon XIII, Picette marcha sur les traces des pontifs et Léon XII renferma dans sa constitution apostolique. Apostolique, co graviora tous les actes et décrets des précédents papes concernant cette matière, les ratifia et les confirma pour toujours. Pi 8, Grégoire XVI et à diverses reprises, Pi neuf, ont parlé dans le même sens. Il y a donc une longue tradition du magistère de l'Église contre la maçonnerie, jusqu'à Léon XIII et même après. Léon XIII n'a pas seulement publié un document sur la maçonnerie, mais d'innombrables documents contre elle, certains concernant un pays en particulier, par exemple l'encyclique Inimica Vis, les forces ennemies, contre la maçonnerie en Italie d'autres concernant la maçonnerie en général, comme l'encyclique Humanum Genus. Voilà donc le premier document que nous allons commenter pour comprendre ce que c'est la maçonnerie. Humanum Genus est du 20 avril 1884. Grâce à Internet qui a beaucoup de défauts, mais aussi quelques qualités, vous pouvez trouver tous ces documents que je vais citer. Je vous conseille donc vivement, si vous êtes intéressé par le sujet, d'imprimer les documents en question. Vous les trouverez sans difficulté, notamment l'Encyclique Humanum Genus, et j'ai même imprimé moi-même en français. Les autres, je les ai en italien. Moi, je pense que vous les trouverez aussi en français. Je voudrais vous citer quelques ouvra autres ouvrages. Et je tâcherai de faire en sorte que le temps me le permette. Évidemment, on ne peut pas les citer tous. Tout d'abord, je voudrais citer l'ouvrage Études sur la franc-maçonnerie américaine d'Arthur Preuss, P R E U S, un auteur américain, originaire des États-Unis. Cet ouvrage a été traduit en français par les soins de Monseigneur Join, directeur de la revue internationale des sociétés secrètes, et il est cité et recommandé par l'écrivain Léon de Ponsin bien connu pour ses études sur la franc-maçonnerie. Cet ouvrage, bien qu'il traite de doctrine maçonnique, ne sera jamais périmé. Ainsi, si je fais un ouvrage, que sais-je, sur les agissements de la maçonnerie après deux siècles, c'est intéressant, mais c'est une page d'histoire. Alors que si je fais un ouvrage sur la doctrine de la franc-maçonnerie, cela est valable aujourd'hui comme hier. Aussi ai-je été vraiment étonné de voir qu'un ouvrage si important, avec de si bonnes recommandations, n'ait pratiquement pas été vendu. Léon de Ponsin et Monseigneur Join étant pourtant bien connus dans, la, dans le public français, du moins de notre bord. Alors, je ne veux pas vendre cet ouvrage, mais le conseiller. Il a été imprimé parce qu'on l'a jugé utile. Le titre est peut-être trompeur. Étude sur la franc-maçonnerie américaine. Ah Cela traite des Américains, cela n'a rien à voir avec nous. Fin de citation. Les Américains ont hélas beaucoup de choses en commun avec nous. Mais le but de l'auteur, en ce qui concerne cet ouvrage, est de démontrer que la franc-maçonnerie américaine, c'est-à-dire des États-Unis, ne diffère en rien. De n'importe quelle autre maçonnerie. Il n'y a qu'une maçonnerie. Elle est divisée en beaucoup d'obédiences, des loges, qui se battent même les unes contre les autres. Mais fondamentalement, la maçonnerie, qu'elle soit régulière ou irrégulière, a bien sûr des idées fondamentales communes. Et contrairement à ce que l'on pense, la franc-maçonnerie américaine. A les mêmes idées et les mêmes principes que toute franc-maçonnerie antichrétienne. Donc, en citant ces deux auteurs, principales autorités pour la franc-maçonnerie américaine, Mackay, l'auteur du dictionnaire de la franc-maçonnerie américaine, dictionnaire que j'ai, et Albert Pike, Arthur Preuss montre qu'elle est la doctrine de la franc-maçonnerie en général, et non pas seulement de la franc-maçonnerie américaine. Je conseille donc cet ouvrage. On pourra également dire un mot sur un petit ouvrage de René Guénon, un auteur français. Évidemment, j'ai l'ouvrage en italien. Il s'agit d'un recueil de différents articles qu'il a écrits sur la franc-maçonnerie. Entre parenthèses, il était lui-même franc-maçon. Il dit des choses intéressantes, notamment à propos du grand architecte et sur ce que signifie ce nom que l'on donne soi-disant à Dieu. Je conseille aussi un autre ouvrage du père Florido Giantoli, un père jésuite qui a passé toute sa vie à étudier et à combattre la franc-maçonnerie et dont l'original se trouve chez nous, à Savoia. Malheureusement, il est en italien seulement, l'essence de la franc-maçonnerie italienne. Cet ouvrage a été publié en 1973 et le sous-titre est Le Naturalisme. Et on pourrait citer beaucoup d'autres sources. Certains d'entre vous m'ont parlé du franquisme, non pas du général Franco, mais de Jacob Frank, un faux messie juif, soi-disant converti au catholicisme, à l'exemple d'un autre pseudo Messie juif converti soi disant à l'islamisme au siècle précédent, bataille Tsevi, qui a lancé une théorie, à savoir que l'avènement du Messie arrive par le péché. Ainsi, c'est par le péché qu'on accélère l'arrivée du Messie. Il invite donc à pécher le plus possible, afin d'accélérer la venue du Messie. Ce courant de pensée s'appelle antinomisme. Nomos, c'est la loi, contre la loi. La transgression de la loi est la meilleure façon de réaliser la loi. L'antinomisme est diffusé. Ainsi, Luther, quand il disait Peca fortiter, était un antinomiste. Il y a aussi un livre concernant la maçonnerie écrit par Gershom Cholem. C'est l'un des plus grands étudiants juifs de la secte juive des Hasidim, secte très répandue maintenant dans les milieux modernistes. Il, était, il écrit sur la vie de euh, Mosé euh, Dobruska. C'est un homme qui a eu trois noms. Il s'appelait Moïse, en tant que juif. Il était parent de la famille de ce Jacob Franck. Puis il s'est soi-disant converti au christianisme. Il est devenu Ludic von Schoenfeld et a fondé, en tant que chrétien, une loge maçonnique pour juifs. Ensuite, il a encore changé de nom. Il s'appelait Junius Frey, F-R-E-Y. Il est venu à Paris et est devenu jacobin, et il s'est affilié aux jacobins en prenant la Révolution. Heureusement la guillotine lui a coupé la tête. Même la Révolution française a ses côtés, disons, positifs. Son ouvrage est vraiment intéressant et concerne également les relations entre le judaïsme et la franc maçonnerie. Mais comme on ne peut pas tout dire, on se bornera maintenant à traiter de ces sujets. Et tout d'abord, en ce qui concerne l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII, je voudrais vous citer une phrase d'un franc-maçon connu, du moins chez nous, Tommaso Ventura, qui a écrit l'ouvrage suivant Massoneria, Alla Spara, Sua vera origine, Sua vera essenza. La maçonnerie à la barre, sa véritable origine, sa véritable essence. Édition Athanor, Rome 1961. Le frère Ventura écrit Citation, Le pape Léon XIII a vu très juste. Il a très bien compris ce qu'était la franc-maçonnerie. Il en a dévoilé la physionomie exacte et il a mis au jour ses intentions en des termes sans équivoque. C'est donc un franc-maçon de haut degré, bien connu par les francs-maçons, qui nous recommande la lecture de l'encyclique de Léon XIII pour bien comprendre ce qu'est la maçonnerie et quels sont ses buts. Dans son encyclique, le pape Léon XIII rattache tout d'abord, au début, comme il le faut, la franc-maçonnerie aux démons. Même avant la fondation de la franc-maçonnerie, il y a une lutte, une lutte entre le démon, qui est une simple créature, et Dieu. On ne peut pas les mettre sur le même pied d'égalité, et cette lutte continue sur terre, entre les deux cités dont nous parle saint Augustin. Voici ce que dit le pape. Citation. Depuis que. Par la jalousie du démon, le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu, auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels. Il s'est partagé en deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre, l'un pour la vérité et la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. Le premier est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus-Christ, dont les membres, s'ils veulent lui appartenir du fond du cœur, et de manière à opérer le salut, doivent nécessairement servir Dieu et son Fils unique de toute leur âme, de toute leur volonté. Le second est le royaume de Satan. Sous son empire, en sa puissance se trouvent tous ceux qui, suivant les funestes exemples de leur chef et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine, et multiplient leurs efforts ici pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre Dieu. Ces deux royaumes, Saint Augustin les a vus et décrits. Avec une grande perspicacité, sous la forme de deux cités opposées l'une à l'autre, soit par les lois qui les régissent, soit par l'idéal qu'elles poursuivent. Et, avec un ingénieux laconisme, il a mis en relief dans les paroles suivantes le principe constitutif de chacune d'elles. Citation. Deux amours ont donné naissance à deux cités. La cité terrestre procède de l'amour de soi, porté jusqu'au mépris de Dieu. La cité céleste procède de l'amour de Dieu, porté jusqu'au mépris de soi. Fin de citation. Dans toute la suite des siècles qui nous ont précédés, ces deux cités n'ont pas cessé de lutter l'une contre l'autre, en employant toutes sortes de tactiques. Et les armes les plus diverses, quoique non toujours avec la même ardeur, ni avec la même impétuosité. À notre époque, les fauteurs du mal paraissent s'être coalisés dans un immense effort sous l'impulsion et avec l'aide d'une société répandue en un grand nombre de lieux et fortement organisée, la société des francs-maçons. Ceux-ci, en effet, ne prennent plus la peine de dissimuler leurs intentions, et ils rivalisent d'audace entre eux contre l'auguste majesté de Dieu. C'est publiquement, à ciel ouvert, qu'ils entreprennent de ruiner la Sainte Église afin d'arriver, si c'était possible, à dépouiller complètement les nations chrétiennes des bienfaits dont elles sont redevables aux seveurs. Jésus-Christ. Fin de citation, etc. À peu près à la même époque, le poète italien Josué Carducci écrivait un hymne à Satan qui mériterait d'être lu. J'ai le texte ici. Je ne peux pas vous le lire parce qu'il est très long, mais il est très intéressant. Parce qu'en faisant l'exaltation de Satan comme symbole du progrès humain antichrétien, évidemment, il revisite toute l'histoire du début jusqu'à maintenant, depuis la révolte de Satan jusqu'à nos jours. Grâce à ce poète, nous pouvons connaître l'interprétation de l'histoire par un franc maçon, le rôle des païens par exemple, le rôle des sorcières, des magiciens, etc. Il parle de tout ce monde, de Martin Luther aussi, bien sûr, le passage dédié à Martin Luther est d'ailleurs bien connu. Quel est pour le pape Léon XIII le cœur de l'idée maçonnique Après, il parle de ce que les francs-maçons font. Nous l'avons sous les yeux, la société laïque, la séparation de l'Église et de l'État, le divorce, la lutte contre la famille, le socialisme, le faux principe d'égalité, le faux principe démocratique par lequel l'autorité des chefs du gouvernement ne vient pas de Dieu, mais du peuple, etc. Erreur dont il parle souvent dans ses encycliques. Mais surtout, il dit que la maçonnerie se résume dans un mot, le naturalisme. Naturalisme signifie qu'il n'y a rien en dehors de la nature. En maçonnerie, cela signifie qu'il faut rejeter le surnaturel. Tout le surnaturel est nié. Nier le surnaturel signifie nier la révélation. La révélation est inacceptable pour un franc maçon. Nier le dogme. La franc maçonnerie est nécessairement adogmatique. Elle n'admet pas les dogmes. Elle n'admet donc pas les vérités révélées par Dieu, vérités que l'homme peut et doit connaître, et auxquelles il doit adhérer. Cela signifie également Nier la grâce, c'est même nier un Dieu transcendant la nature. Le Dieu dont parlent les francs-maçons n'est pas la Trinité, n'est pas Jésus-Christ, car tout cela est surnaturel et ne correspond pas au naturalisme. Ce n'est même pas le Dieu connaissable par la raison comme Créateur. C'est la nature, Dieu se confondant avec la nature. La nature est en Dieu et Dieu est en la nature. Et entre parenthèses, nous allons voir que c'est même pire que cela. Et voulant par conséquent ressusciter les mœurs, les institutions du paganisme en refusant tous les bienfaits donnés par Jésus-Christ aux individus et à la société. Ceci est un principe fondamental de la franc-maçonnerie. Donc, le titre de la conférence étant L'encyclique Humanum Genus, je vous invite à lire cette encyclique. Vous y trouverez tout ce qu'il faut. Et retenez ce point essentiel. Franc-maçonnerie veut dire naturalisme. Par conséquent, être contre la maçonnerie doit nécessairement vouloir dire admettre le surnaturel, c'est-à-dire un Dieu surnaturel, connaissable, non seulement par la raison, mais par la foi. Un Dieu qui se révèle aux hommes, ce Dieu étant la très sainte Trinité. Dans le livre de Preuss, au chapitre 2, cet auteur nous parle du secret. Citation de Maquet de Pike à l'appui, il montre comment pour eux, Pythagore les anciens Égyptiens, les druides, etc., sont pris comme un exemple pour prôner une science ésotérique. Comme je vous l'ai dit, dans la maçonnerie, l'ésotérisme est essentiel. L Ésotérisme veut dire réservé à peu de personnes, seulement pour certains, secrets. La franc-maçonnerie, qui prétend parler à l'humanité, ne parle en réalité qu'en petits groupes d'initiés. À l'humanité, elle ne fait que vendre ses principes extérieurs, que nous connaissons tous, puisque ce sont ceux avec lesquels on nous fait grandir à l'école, liberté, égalité, fraternité, démocratie, laïcité, etc. Tout ça c'est la religion maçonnique, pour les profanes, pour nous mêmes. Mais pour les initiés, le secret est essentiel. On retrouve cette citation dans le livre de Preuss. Sans le secret, la maçonnerie ne serait rien. Le secret est essentiel. L'Église a d'ailleurs tout de suite condamné le secret. L'un des motifs de condamnation de la maçonnerie était justement le secret et les serments. Mais le secret n'est pas seulement, je dirais, l'outil d'une société persécutée, qui doit par conséquent se cacher aux autorités pour des motifs contingents. C'est pourquoi, par exemple, maintenant que la maçonnerie gouverne partout, comme le disait Henri Coston, la République, c'est la République du Grand Orient. En Angleterre, comme aux États-Unis, la franc-maçonnerie est presque une institution nationale. Eh bien, la franc-maçonnerie ne devrait pas avoir de secret. C'est faux. Car sans le secret, il n'y a pas de maçonnerie. Il faut bien comprendre cela. Le secret n'est pas seulement un moyen pour esquiver le contrôle de l'Église et de l'État, bien que ce soit aussi cela. Mais le secret, c'est surtout et avant tout une science ésotérique, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des vérités qui ne sont pas pour tout le monde, qu'il ne faut pas révéler à tout le monde, qui sont seulement. Les initiés. Après le secret, on parle au chapitre 3 du symbole. Dans les sacrements chrétiens, par exemple, qui ne sont pas seulement un symbolisme, qui sont beaucoup plus que cela, ils sont une réalité. Le symbole signifie une réalité et le symbole, pour être efficace, doit signifier la réalité. Ainsi, on ne peut pas baptiser avec du café. On ne peut pas baptiser avec de la boue, puisque le baptême signifie intérieurement une purification spirituelle, un lavacrum spirituel. Avec l'eau, il y a une purification extérieure, qui, cependant, puisqu'il s'agit d'un sacrement institué par Jésus-Christ, réalise efficacement ce qui est symbolisé, ce qui n'arrive pas dans les autres genres de symboles. Le symbole nous fait comprendre la réalité. C'est une voie pour comprendre la réalité. Ainsi, quand je regarde la croix, je pense à la passion de Jésus-Christ, qui est une réalité. Il est expliqué dans le chapitre 3 de Preuss qu'en maçonnerie, le symbole, les allégories et les légendes maçonniques, comme la légende d'Iram, etc., ne sont pas faits pour découvrir, mais pour cacher la réalité. Le symbole est trompeur. Ce qu'on croit y voir n'y est pas. Et ce qu'on n'y voit pas est ce qu'il faut chercher. Il y a en maçonnerie beaucoup de symboles chrétiens de l'Ancien ou euh, du Nouveau Testament qui sont complètement détournés de leur signification, pour signifier non seulement autre chose, mais exactement l'opposé. Nous pouvons prendre comme premier exemple la rose et la croix. Roses-croix, justement, qui n'a rien à voir ni avec la rose ni avec la croix, surtout pas. C'est très bien expliqué par Preuss et aussi par Giantulli, le père dont je vous ai parlé. C'est aux pages 72-74 pour le père, et pour Preuss, c'est plus ou moins vers les pages 50, 52 et 60 etc. Ce sera quelque chose qui reviendra tout le temps. Un abbé en Italie m'a dit Mais monsieur l'abbé, pourquoi dans votre conférence sur la maçonnerie, parlez-vous toujours de cette question Excusez-moi, du culte du phallus, etc. Mais je n'y peux rien. La maçonnerie, c'est ça. Si on parle de maçonnerie, il faut parler de ça. Alors pour eux la rose et la croix, etc. Ce sont des symboles qui n'ont rien à voir avec la croix de Notre Seigneur, bien sûr, ni avec les autres significations d'une croix mais avec des symboles j'y reviendrai phalliques. Donc du principe féminin et du principe masculin qui s'unissent. Et cela se retrouve dans le système du gnosticisme cela se retrouve dans le panthéisme émanationniste avec les Éons. Cela se retrouve dans la cabale juive avec les Séphirotes. À chaque degré, ce sont toujours des entités, les Éons, les Séphirotes, etc., qui s'unissent, principe masculin, principe féminin, pour donner lieu à une nouvelle émanation. Ce principe est donc un principe universel et fondamental de l'ésotérisme maçonnique. Au chapitre 4, on traite de l'initiation, autre question de grande importance pour la franc-maçonnerie. La maçonnerie explique Preuss, n'est pas une religion. Les maçons disent toujours vous pouvez rester dans votre religion, chacun dans sa religion, nous ne sommes pas une religion. Ce n'est pas une religion parce que c'est la religion là Religion primitive, la religion incorrompue. Les autres religions sont une dérivation et une corruption de la religion primitive. Les autres religions, comme dirait Guénon et les autres de son bord, sont une forme exotérique et non ésotérique, c'est-à-dire pour l'extérieur, pour les gens qui cachent. La religion unique qui les unit toutes, c'est l'unité transcendante des religions. Cette unité transcendante des religions se retrouve dans la religion maçonnique. Et justement, l'initié, quand il rentre en maçonnerie, quitte le monde profane pour entrer dans la vraie lumière. Il reçoit une illumination. Or, oh, il appartient déjà à une religion. Un catholique baptisé qui devient maçon entre dans la maçonnerie par l'initiation, il quitte les ténèbres et il rentre dans la lumière. N'est il pas déjà baptisé? N'est il pas déjà chrétien? Oui. Mais le christianisme est n'importe quelle autre religion, et pour le profane seulement une forme extérieure qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'en dehors et derrière les symboles de sa religion qu'il professe bêtement, il y a la religion primitive qui lui est cachée et que la maçonnerie lui révèle. C'est pourquoi au chapitre 5, on démontre que la maçonnerie est véritablement une religion et qu'elle a toutes les caractéristiques de la religion. Il y a des grands aumôniers, il y a des autels, il y a une sorte de sacerdoce, des fêtes, un culte, il y a une certaine divinité, etc. D'autres auteurs comme Gian Tulli, ni le caractère religieux de la maçonnerie, puisqu'on peut parler d'athéisme maçonnique. Or, la question de l'athéisme maçonnique, ou du déisme maçonnique, est une fausse question. Dans quel sens ben, Comme vous le savez, la grande loge d'Angleterre prétend garder comme principe absolument impossible à transgresser le fait d'admettre l'immortalité de l'âme et l'existence de Dieu. Grand architecte de l'univers. Alors que le, la principale obédience maçonnique, le Grand Orient de France, dans les années 1870, a supprimé le grand architecte de l'univers, un franc-maçon peut donc être athée. Mais les francs-maçons qui veulent admettre une entité divine peuvent entrer dans d'autres loges maçonniques françaises. Il y en a pour tout le monde. Pour tous les goûts. René Guénon, qui était franc maçon, évêque de l'église gnostique, s'il vous plaît, mais aussi musulman, soufiste, et également collaborateur d'une revue catholique et même antimaçonnique. Il était tout à la fois, nous explique qu'entre les Anglais et les Français il n'y a en réalité aucune différence on peut très bien s'entendre sur le grand architecte. Il dit par exemple le grand architecte n'est pas le démiurge. Le démiurge ce serait une entité entre Dieu et le monde créé qui est intermédiaire dans le platonisme par exemple pour être celui qui s'occupe, je dirais, de la création ou le concept de la création n'existant pas, celui qui s'occupe de faire émaner les choses terrestres. Il n'est pas même le démiurge, comme le terme architecte pourrait le faire penser. Il est quelque chose de plus, d'infiniment plus grand, puisqu'il représente une conception plus élevée. Alors qui est il? Il est dans son être universel, la collectivité des êtres individuels considérés dans son ensemble, qui en réalité constitue le démiurge, l'artisan ou l'ouvrier de l'univers. Cette conception du démiurge, que nous avons déjà exposée dans une autre étude, correspond à la Kabbalah, à l'Adam protoplaste, le premier formateur. Tandis que le grand architecte est identique à l'Adam Cadmon, c'est-à-dire à, à l'homme universel. Quel est ce grand architecte de l'univers que l'on prétend être Dieu, que l'on pense être Dieu La franc-maçonnerie admet Dieu. C'est l'Adam Kadmon de la Kabbale, l'homme universel. Mais qu'est-ce que l'homme universel il n'y a que des hommes individuels. Et puis il y a l'humanité qui est l'essence. Eh bien, c'est Adam Catmon, ou homme universel. C'est au fond rien d'autre que le macrocosme, c'est-à-dire la nature. Cela est suffisant pour souligner la profonde différence qui existe entre le grand architecte de la maçonnerie, d'une part, et les divinités des différentes religions, d'autre part qui ne sont que des aspects différents du démiurge. Ça, c'est Guénon qu'il dit. Il continue et dit citation D'autre part, une fois que l'on a précisé cela, on voit qu'en réalité, quand on a remplacé la formule anciennement en usage, à la gloire du grand architecte de l'univers, ou bien du sublime architecte des mondes, dans le rite égyptien, avec d'autres formules exactement équivalentes à la gloire de l'humanité, et cette dernière doit être entendue dans sa totalité qui constitue l'homme universel, c'est à dire encore une fois l'Adam cadmon, ou encore à la gloire de la maçonnerie universelle, puisque la maçonnerie en sens universel, s'identifie avec l'humanité intégrale considérée dans son accomplissement idéal de la grande œuvre de la construction. Nous dirons donc que l'athéisme en maçonnerie n'est pas et ne peut être qu'un masque qui dans les pays latins et particulièrement en France a sans doute eu d'une façon passagère son utilité. On pourrait même dire sa nécessité, pour des raisons différentes. Fin de citation. Donc, l'athéisme maçonnique pour Guénon, est un masque. Mais un masque de quoi Mais un masque de cette idée selon laquelle Dieu s'identifie avec l'Adam katmon de la nature. Ce n'est pas la négation de Dieu. Oui, du Dieu des religions révélées. Cela n'existe pas pour la maçonnerie. Donc la discussion entre déistes et athéistes en maçonnerie est sans fondement. De ce point de vue-là, on peut parler tout autant du déisme maçonnique ou de l'athéisme maçonnique, puisque la franc-maçonnerie se pose dans un autre point de vue. Quel est d'ailleurs ce Dieu de la maçonnerie Nous le verrons encore, c'est Adam Kadmon. Alors, puisqu'on y est, passons au chapitre 9. Maçonnerie et cabale. Le chapitre 7 et 8, et le chapitre 7 étant euh, la maçonnerie et le paganisme. Preuss démontre que la maçonnerie est le rétablissement des cultes païens, des anciens mystères païens. On revient encore une fois aux deux principes masculins et féminins qui seraient. Le fin fond du mystère païen. Alors je pourrais là vous donner des centaines de citations. Les deux colonnes que vous trouvez à l'entrée du temple, Boaz et Jacquine, ce sont des colonnes qui signifient cela, comme beaucoup d'autres choses. Presque tout le symbolisme maçonnique peut être interprété dans ce sens-là. Et cela est expliqué. J'ai ici de nombreuses citations dont je pourrais vous entretenir jusqu'à demain. Mais nous allons l'éviter. Alors, pour parler de maçonnerie, quel est le Dieu de la maçonnerie Le chapitre 8 s'intitule Le Dieu et la maçonnerie. Et le chapitre 9 La maçonnerie et la cabale. La loge est ouverte au nom de Dieu. Les deux vénérables représentent les deux genres. Mais nous avons vu de qui il s'agit quand on parle de ces deux genres. Ce n'est rien d'autre que le cours du soleil, et donc le culte solaire et de la lune, qui, à leur tour, sont à nouveau le culte phallique du principe féminin et masculin, qui, en s'unissant, doivent réaliser l'androgyne primitif et Dieu serait justement cet androgyne, c'est-à-dire mâle et femelle en même temps. Et Dieu? la maçonnerie? disent les francs maçons excessivement tolérants par rapport aux croyances religieuses. Voilà la dogmatisme, le non exclusivisme, le cuménisme maçonnique pour les profanes. Il suffit de croire en Dieu mais en une vie future mais quel est ce Dieu et cette vie future En haut du siège du maître, du vénérable qui dirige la loge, il y a la lettre G, qui peut signifier God, c'est-à-dire Dieu, mais qui peut signifier aussi géométrie, et peut signifier aussi gnose. Or, pourquoi God et géométrie sont-ils considérés comme étant la même chose Parce que la géométrie est, comme la théologie de la maçonnerie, dans le culte et l'étude de la nature. Encore une fois, on revient au naturalisme maçonnique, mais le G indique aussi la lettre juive Yod, ancien symbole juif cabalistique pour indiquer le tétragrammaton c'est-à-dire les lettres qui forment le nom de Jéhovah Lettre qui, pour les kabbalistes, possède la même force et la même signification que la lettre Yod. Lettre qui ne représente pas le dieu biblique dont Pike se moque. Il ne faut donc pas confondre le dieu de la kabbale et le véritable dieu de l'Ancien Testament. Il s'agit de choses bien différentes. Or, oh ce nom de god qui veut dire dieu pour les francs-maçons anglais signifie aussi gomère oz dabar sagesse force beauté c'est-à-dire les colonnes les monolithes de la colonne circulaire qui étaient pour les anciens le symbole de l'énergie créative et générative de la divinité d'où l'on revient au culte phallique avec les colonnes l'élément masculin et féminin donc Dieu est bisexuel. Excusez moi. C'est la théorie du genre, et hermaphrodite. Ce Dieu est la nature, c'est pourquoi l'athée aussi reconnaît ce Dieu nature. Cela vous le trouvez expliqué en long et en large dans le livre de Preuss avec des citations. Il y a une sorte de Trinité maçonnique composée par l'âme universelle, pater agnostos, par le pensée, l'âme enoïa et la pensée exprimée, le logos. Le macrocosme correspond au microcosme, donc l'Adam Cadmon correspond à l'homme. Eh bien, un nom de dieu en vaut un autre oui mais non le véritable nom le nom perdu est jéhovah les témoins de jéhovah qui ont été fondés par un franc-maçon disent toujours que le nom de dieu était caché c'est un thème maçonnique les francs-maçons comme les juifs ne peuvent pas le prononcer aussi le remplacent ils par un autre nom par bien d'autres noms. Jah, le dieu du soleil syrien. On, le dieu du soleil égyptien. Baal, le dieu du feu chaldéen. Yahvé ne signifie pas, comme c'est dans le cas de la Bible, celui qui est, mais il signifie d'une façon kabbalistique, lui, elle. Encore une fois, l'hermaphrodite, l'androgyne dieu créa l'homme à son image, mâle et femelle. eh bien, les rabbins, mais jean-paul ii aussi disent que dieu est comme l'homme, mâle et femelle, les deux à la fois. le dieu de la kabbale et des francs-maçons est lan zof. c'est-à-dire l'infini néant. en n. En, en, qui veut dire non existant, inconnaissable, imprononçable. Donc, au point de départ de cette descente, je dirais de Séphiroth, de l'émanation, d'éons qui descendent de cette divinité, je dirais au début, il y a le néant. Dieu est le non-être. Mais comment Dieu peut-il donner lieu à quelque chose s'il est le non-être, en se diminuant par contraction C'est une doctrine kabbalistique. Le non-être, en se contractant, en se limitant, commence à se déterminer et par conséquent à devenir quelque chose. Ce système s'appelle le tzimtzum. Et de cette contraction émanent les différents, séphirotes, c'est-à-dire les émanations dont la première est justement le fameux Adam, Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme archétype dont nous parlait René Guénon avant, l'identifiant avec Dieu, c'est-à-dire le grand architecte qui se manifeste par le nom de Yahvé ou idée de l'univers. Il est doué d'un corps comme Yezod, qui est l'organe masculin et Malkut l'organe féminin. Adam Cadmon est le macrocosme alors que l'homme est le microcosme. L'un descendant de l'autre, c'est Adam supérieur, l'Adam inférieur. Adam, dit Albert Pike, est le tétragamon humain qui est contenu dans l'iode mystérieux de la cabale. Il n'y a pas de création dans cette idée cabalistique, mais Émanations. Il n'y a pas un Dieu qui est l'être souverain, mais un Dieu qui est le non-être. Voyez le renversement celui qui est devient celui qui n'est pas, la création est supprimée. Il y a l'émanation et tout cela amène à un véritable renversement de Dieu. C'est pourquoi Albert Pike finit par se citer lui-même et explique que le nom kabbalistique renversé de Dieu, car les francs-maçons et les kabbalistes Doivent renverser les noms, est celui de Satan. En définitive, le dieu de la franc-maçonnerie est effectivement Satan. Ni plus, ni moins. Et cela est clairement expliqué par Pike, qui exalte même le serpent et le culte du serpent, toujours chez Giantuli. On nous explique pour le rapport entre l'Adam Cadmon et nous, pauvres Adam qui ne sommes pas Cadmon, nous ne sommes pas cet homme universel, n'est-ce pas? L'Adam Cadmon, c'est un homme qui, intégré dans ses pouvoirs divins, arrive à la puissance de luminosité, donc de divinité, alors qu'il est encore dans ce masque de chair. Donc, en réalité, un autre principe de la maçonnerie, c'est la divinisation, l'autodivinisation de l'homme. C'est-à-dire que l'homme n'est pas divinisé par la grâce, Dieu nous rendant participants de la nature divine, mais l'homme se divinise de lui-même. Et il retrouve cette étincelle divine que la gnose enseigne, se trouver en chacun de nous comme prisonnière de la matière. Cela est bien expliqué dans le chapitre 10 concernant l'âme humaine. Alors comment peut-on penser que cette doctrine puisse, nous gouverner, puisqu'il faut considérer que la plupart de nos gouvernants sont aux ordres, ou même membres d'une secte qui croit à ces choses horribles, ridicules, honteuses. Et pourtant, ce sont des personnes qui suivent des idées de ce genre, et que nous soyons dans les mains de personnes de ce genre là est vraiment la chose la plus affreuse et la plus incroyable. J'ai été assez confus parce que, quand il y a trop de choses à dire, on n'arrive pas bien à les dire. Mais enfin, lisez les encycliques des papes et surtout lisez cet ouvrage d'Arthur Preuss, et vous trouverez un bon exposé de ce qu'est vraiment la maçonnerie. Et il ne vous semblera plus étonnant qu'elle pousse aussi à la débauche. Nous disons pourquoi ils veulent détruire la famille, pourquoi ils veulent détruire le mariage, pourquoi ils veulent même détruire la distinction entre les sexes. Pourquoi Mais c'est simple. C'est parce qu'ils ont une religion qui puise ses racines dans les ordures des mystères païens. Et de la cabale juive, qui voit tout, même Dieu, qu'à travers cette conception, excusez-moi, phallique, conception qui est l'idée fondamentale de la maçonnerie. Alors que voulez-vous que des personnes avec un tel esprit religieux, ou plutôt irréligieux, tentent de nous imposer Ils font une société à leur image. Et à leur ressemblance. Alors, quand on dit que la franc-maçonnerie nous ramène à Satan, ce n'est pas une exagération, ce n'est même pas dû aux histoires racontées par des auteurs déconsidérés, mais c'est une vérité que l'on trouve dans les textes mêmes, authentiques, des plus importants francs-maçons. Voilà. Alors je m'arrête ici. Troisième partie franc-maçon, moderniste, traditionnaliste. Cette troisième instruction portera sur un sujet plus léger que les deux précédentes. La franc-maçonnerie, en tant qu'ennemi du catholicisme, a toujours eu pour objectif de lutter contre l'Église. Et comme dans toute lutte, on peut utiliser deux stratégies. Ainsi, la franc-maçonnerie les a toutes deux employées contre le catholicisme. La première de ces stratégies est le combat direct, à visage découvert, et la franc-maçonnerie n'a jamais manqué de l'employer. Ne serait-ce qu'en France, il suffit de penser aux lois dites laïques qui ont été promulguées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, comme la séparation de l'Église et de l'État, les diverses lois de laïcisation, et même, bien avant, la Révolution française dans son ensemble. Toutes ces entreprises sont l'œuvre d'une activité directe de la franc maçonnerie contre l'Église, contre le christianisme, et que tout le monde peut voir. La seconde stratégie est de ne pas attaquer frontalement l'ennemi, mais plutôt d'essayer de s'infiltrer au sein du camp adverse. Il s'agit là de la méthode employée par ceux qui avancent masqués, qui font leur cette devise Larvatus Prodeo j'avance masqué. L'abbé Barbier l'a résumé dans le titre de son livre bien connu qui s'intitule Infiltration maçonnique dans l'Église. Qui parmi nous pourrait nier qu'il y ait eu des infiltrations dans l'Église lorsque nous voyons sa triste situation aujourd'hui? C'est pourquoi nous allons parler non pas des attaques frontales et ouvertes de la franc maçonnerie contre l'Église, car les exemples pourraient être allégués à l'infini, mais plutôt de certaines tentatives entreprises par la franc-maçonnerie pour pénétrer au sein même de l'Église catholique, afin de la ruiner de l'intérieur, si cela était possible. Nous allons étudier ces tentatives, tout d'abord en nous intéressant au phénomène du modernisme, mais également au mouvement traditionaliste tel qu'il est communément nommé. En ce qui concerne le modernisme, ce mouvement hérétique, qui s'est manifesté à la fin du XIXe et surtout au début du XXe siècle, condamné par saint Pidis en 1907, et qui, aujourd'hui, occupe tous les postes de responsabilité de l'Église suite au Concile Vatican II, les liens avec les milieux maçonniques ne manquent pas, et les pistes à suivre seraient nombreuses. Je me permets de signaler ces similitudes entre deux aspects fondamentaux aussi bien de la franc-maçonnerie que du modernisme tel que Saint-Pidis les a décrits. Nous avons vu que dans la franc-maçonnerie il existe ces deux points essentiels tout d'abord un certain rationalisme qui divinise la raison ni l'existence de tout ce qui est en dehors de la nature. Un agnosticisme fondamental, la vérité étant inconnaissable. En résumé, l'esprit des Lumières. Mais il existe à côté, dans la franc-maçonnerie, cet aspect ésotérique, occultiste, voire magique, ou, en utilisant mal ce terme, mystique. Ces deux visages de la franc-maçonnerie trouvent un parallèle étonnant dans le modernisme. Car dans le modernisme, selon les paroles de saint Pidis, on retrouve d'une part le rationalisme. Le moderniste est fondamentalement un agnostique. Nous avons eu l'occasion d'en parler quand nous avons analysé la pensée de Ratzinger sur l'agnosticisme. Il explique en effet que chez le croyant, le doute et la foi sont inséparablement unis. Mais que le non croyant n'échappe pas au doute lui même, et ce doute, commun à tous, doit servir de base pour établir le dialogue. L'agnosticisme est une doctrine fondamentale du modernisme, et il est issu directement du rationalisme des Lumières, lequel provient directement du protestantisme. En effet, les protestants nient toute valeur à la raison et selon eux elle est incapable de connaître la vérité de dieu mais d'autre part le moderniste est également un croyant mais d'où provient la foi du moderniste elle ne s'appuie pas sur la raison pour ce qui concerne le preambula fidei ces vérités de raison qui nous mènent au seuil de la foi la foi du moderniste ne se base même pas sur la révélation de Dieu, pas sur une révélation extérieure à nous en tout cas. La foi pour les modernistes coïncide avec le sentiment religieux cela est aussi une conséquence du protestantisme qui, en niant la valeur de la raison, exalte par conséquent la volonté et surtout le sentiment. Et la religion se retrouve dans le sentiment. Le modernisme n'est au fond rien d'autre que le protestantisme appliqué au catholicisme. Il s'ensuit donc que pour le modernisme l'expérience religieuse ne peut se faire que dans le sentiment religieux humain. Mais ce principe a des conséquences funestes car il conduit il conduit à dire que toute expérience religieuse, toute ex expérience humaine est valide et qu'elles se valent toutes ou si l'une d'entre elles est supérieure aux autres, elles restent toutes du même genre. Voilà la conséquence nécessaire du modernisme, la validité de toutes les religions. Les religions sont toutes valides car toutes Correspondent à un sentiment religieux chez l'homme. Si Dieu existe en dehors du sentiment de l'homme, cela le moderniste l'ignore. Dieu existe dans l'homme. Voilà ce qu'il sait. Et comme nous l'avons vu, la pensée de la franc-maçonnerie n'est pas si différente. Car le principal motif qui a poussé Clément XII à excommunier les francs-maçons en 1738, et le Saint-Office a déclaré, Suspects d'hérésie. Oui, il les a déclarés suspects d'hérésie. N'est-ce pas parce qu'en franc-maçonnerie se retrouvent des hommes de toute confession, voire de toute religion La maçonnerie, après les Rose-Croix, a été la première institution qui réunissait ensemble des hommes aux convictions religieuses différentes, qu'ils soient protestants ou catholiques, chrétiens ou non-chrétiens, des juifs ou des musulmans. Or, cette Indifférentisme se retrouve également dans le modernisme par cette volonté de réunir des hommes de confessions différentes, voire de religions différentes. Parlons des réunions interreligieuses d'assises. Rappelons, comme l'a dit explicitement Andrea Riccardi, fondateur de la communauté Sant'Egidio. Et qui, avec Jean-Paul II, était le principal artisan de ces réunions, qu'elle s'inspirait de l'esprit du rabbin Benamozeg, qui, en plus d'être juif, était également proche des milieux maçonniques de Livourne. Ces réunions ont été appelées par le père Paulinien Esposito, une grande réunion de loges, car tous les hommes réunis ensemble, indifféremment de leur religion, Qu'est-ce sinon l'idéal de la franc-maçonnerie Et on peut dire que la réunion voulue par Ratzinger en 2011 a encore mieux représenté cette idée de réunion de loge. Car si dans la réunion voitilienne, pour Voitila, les cultes de différentes religions ont été célébrés, ce qui est déjà un bel idéal maçonnique, dans la réunion ratzingerienne, pourtant considérée plus conservateur, même les non croyants ont été invités. Pourquoi? Si, comme le dit Ratzinger, la foi n'est pas une certitude, mais un doute perpétuel, et que les non croyants eux aussi doutent, alors il s'ensuit que les non croyants ont tout autant la foi que les croyants. Et comme les non-croyants ont été invités, on a alors évité toute prière. Dans l'article premier des constitutions d'Anderson, n'est-il pas dit qu'en maçonnerie, il ne faut pas parler de religion C'est exactement ce qui s'est passé à Assise. Toutes les religions se réunissent. Mais pour ne pas parler de religion Et pour ne pas prier Car, décompris, on choisit un rite et par ce rite on exclut l'autre de sa prière. Donc le seul moyen de réellement unir tous les hommes et de n'exclure personne de cette union, c'est de ne pas prier, de ne même pas évoquer le nom de Dieu. Cela semble paradoxal en surface, mais au fond, c'est raisonnable si on peut parler ainsi. Nous avons, nous avons vu que la maçonnerie naît dans un milieu protestant, mais un protestantisme imprégné d'occultisme. Cela est évident chez certains auteurs anglais, qui sont prônés par quelques traditionalistes, comme par exemple l'abbé Benson, auteur du roman Le Maître du Monde. Cet abbé Benson était le fils de l'archevêque anglican de Canterbury mais converti au Catholicisme, a été ordonné prêtre, et est même devenu un monseigneur. Mais j'ai été surpris, en étudiant sa biographie, de découvrir qu'il était pratiquant du spiritisme et de la magie. Comment se fait il qu'un prêtre catholique puisse pratiquer le spiritisme et la magie? Cela s'explique. Parce que son père lui-même était non seulement un spirit, mais avait même fondé une société spirite avec d'autres évêques anglicans. On peut légitimement se demander qui sont ces anglicans qui admettent comme leur chef spirituel des spirites revendiqués. L'oncle de ce Monseigneur Benson, qui était un rationaliste connu, était lui aussi chef d'une autre société spirite. Encore une fois, nous retrouvons ce double aspect, le rationalisme et l'occultisme. C'est aussi dans ce milieu anglican, proche de la franc-maçonnerie anglaise, qui puise ses sources par l'intermédiaire des Rose-Croix chez ces occultistes présents à la cour d'Élisabeth I, comme John Dee, qui sont d'ailleurs cités au canon de la messe gnostique du sataniste à Crowley. Qui naît un autre point central du modernisme, qui est l'œcuménisme. C'est ce mouvement œcuménique que nous devons la réforme liturgique, la réforme des sacrements, la réforme de la messe, la nouvelle conception de l'Église et même la réforme de la papauté. Peut-être peut n'êtes-vous pas au courant? de cette réforme de la papauté qu'a annoncé Jean-Paul II dans son encyclique Utunum Sint et qu'a confirmé Bergoglio. Le communisme apparaît en Angleterre, chez les Anglicans, et c'est de là qu'il s'est diffusé chez nous, grâce à l'aide soit de personnes dupes, soit de traîtres. Et très souvent, il n'est pas aisé de distinguer les deux. Une des premières initiatives de ce genre sont les colloques de Malines, où a été tenté pour la première fois le dialogue entre anglicans et catholiques, mais qui a échoué grâce à l'encyclique Mortalium Animos de Pie XI contre cuménisme. Mais il ne faut pas oublier que ces colloques ont reçu l'appui de personnages. Très important comme le cardinal Mercier ou du côté des Anglicans comme Lord Halifax, qui était proche de tout ce milieu dont nous avons parlé tout à l'heure. Le mouvement œcuménique et d'ailleurs le dialogue interreligieux et le dialogue avec le monde et les non-croyants n'est rien d'autre. Que l'application du programme de la franc-maçonnerie. J'ai eu l'occasion d'écrire un article intitulé La compagnie des anneaux dans le Sodalicium numéro 64, page 37, en référence à Tolkien. Mais cet article ne parle pas de lui. J'y parle de cette fameuse légende des trois anneaux, que vous connaissez peut-être, qui nous est racontée par les signes. Sous sa forme moderne, qui était un célèbre illuministe allemand et même un franc-maçon. Ce n'est pas une extrapolation dans son cas, car il le déclare ouvertement et a même écrit un livre entier consacré à la franc-maçonnerie. Mais Lessing n'invente pas cette histoire, il la reprend du Moyen-Âge. Elle se retrouve déjà chez l'auteur italien Boccace et même avant lui, dans un recueil d'histoires et de nouvelles appelé Novellino, qui a été composé par les Gibelins, les partisans de l'empereur Frédéric II. Mais cette légende des Trois Anneaux, selon ceux qui l'ont étudiée, naît en Espagne, et plus précisément dans les milieux musulmans et juifs. Mais cette légende des Trois Anneaux en quoi consiste-t-elle Elle raconte l'histoire d'un père et de ses trois fils qu'il aimait beaucoup. Mais ce père était également en possession d'un anneau prodigieux et qui était transmis de père en fils dans la famille. Mais auquel de ses fils doit-il donner l'anneau Incapable de se décider, il fait alors forger deux autres anneaux, en tout point identiques véritable et les distribue à ses fils, faisant croire à chacun qu'il lui a donné l'anneau authentique. Quelle est la signification de cette histoire Dans le conte, il s'agit d'un juif qui raconte cette histoire à un musulman. En réalité, ces trois enfants sont les juifs, les chrétiens et les musulmans et le Père est Dieu. Dieu passe l'anneau magique aux trois enfants, mais deux de ces anneaux sont faux. Ce qui ressort de cette légende, c'est que ces trois religions, qui sont comme le symbole de toutes les religions du monde, sont toutes vraies et aimées de Dieu. Et c'est une invitation à la tolérance religieuse. Mais en y regardant d'un peu plus près, cela veut dire qu'aucune des religions ne peut prétendre être la vraie, car personne ne sait qui est en possession du véritable anneau, si quelqu'un le possède véritablement. Pire encore, ce conte attribue à Dieu la création de l'erreur et la tromperie. Donc, ce conte qui visiblement veut appeler à l'amitié entre hommes de toute religion, ce qu'on appellerait aujourd'hui le dialogue interreligieux cache en réalité des idées bien plus funestes. Elle rejoint une autre légende du Moyen Âge, celle des trois imposteurs, qui n'est devenue un livre qu'au XVIIIe siècle et qui prétend que Moïse, Jésus-Christ et Mahomet sont tous les trois des imposteurs. En effet, si personne ne peut savoir si les anneaux sont vrais ou faux, alors tous les envoyés de Dieu, qu'ils soient vrais ou faux, sont tous des menteurs. C'est donc la négation de la religion qui est dissimulée dans l'affirmation que toutes les religions viennent de Dieu. C'est ce que disait déjà Pionze l'œcuménisme est la voie ouverte à l'athéisme. Et saint disait la même chose du modernisme, citation « c'est la voie ouverte à l'athéisme ». C'est ce que nous avons vu avec la franc-maçonnerie. Elle ouvre la voie de la, à l'athéisme avec son Dieu qui n'est que le, la nature s'il n'est pas Satan lui-même. Dieu n'est que le néant cabalistique d'où émane toute chose. Ce qui est vraiment intéressant, avec cette histoire, et j'en parle dans mon article, c'est qu'aujourd'hui, qu cette légende des trois anneaux est proposée dans les églises et dans les cathédrales italiennes. Les évêques, entre guillemets, modernistes se retrouvent dans cette histoire judéo-islamique et puis maçonnique. C'est l'esprit dans lequel se retrouvent les modernistes aujourd'hui. Ou bien ils ne se rendent pas compte, ou bien ils se rendent trop compte de ce que cela signifie. Après, l'article montrait que cette idée se retrouve parfois même dans nos milieux. Vous voyez donc que l'œcuménisme et le dialogue interreligieux ont leurs origines précisément dans cet esprit. Retournons à Assise. L'un des personnages invités à la réunion de Jean-Paul II en 1986 est le cheikh Abd al Palavasini, qui est mort récemment. Cet homme était le représentant officiel des communautés musulmanes qui sont bien vues par le gouvernement italien. Cet homme était un guénonien devenu musulman. Non pas. Parce qu'il croyait en Dieu unique appelé Allah, car nous avons vu ce que pensait Guénon. Pour lui, tous les dieux des religions révélées sont faux et n'existent pas. Le seul vrai Dieu, c'est celui de la Kabbale, c'est-à-dire l'Adam Kadmon, l'Anzoph, le néant, la nature, le macrocosme. Ce sont donc de faux musulmans. Comme s'ils devenaient des catholiques, ils seraient des faux catholiques. En réalité, ce sont des francs-maçons et des ésotéristes. Ce pas avait signé, à Assise était assis à côté de Voitilla. Quand je disais que ces réunions étaient des réunions de loge, je ne plaisantais pas. Et jusqu'à aujourd'hui, son association est le principal interlocuteur des autorités modernistes. Ces liens du modernisme avec l'occultisme sont encore plus clairs avec Fogazzaro, l'auteur du roman Il Santo. Ce roman mis à l'index sous Saint Pidis raconte l'histoire d'un saint qui serait devenu pape en réalité, ce saint était Dombrizio Castiola prêtre moderniste. Et défenseur de la liberté religieuse en son temps. Focazzaro décrit le modernisme comme étant une franc-maçonnerie dans l'église, et Saint-Pédis, de son côté, parlait du modernisme comme étant une secte. Focazzaro, personnage de pointe du modernisme, était même un spirit et cultivait l'occultisme. Étant le disciple du polonais Andrzej Tobianski. J'ai parlé de ce personnage et des milieux qu'il fréquentait dans l'article Carole Adam Jacob sur euh, Sodalicium numéro 48, page 61. Dans cet article, je montrais les sympathies de Wojtyla pour Adam Mikiewicz, qui est. Vu comme un héros national polonais, mais qui était en réalité un sectateur du franquisme, ce mouvement religieux juif dont j'ai parlé également dans l'article La seconde brèche de Porta Pia, Sodalicium, numéro 67, page 4, sur le monument dédié à Giordano Bruno. Monument voulu par les francs-maçons, et en particulier par un franc-maçon juif, français Armand Lévy, lui aussi disciple de Mikiewicz, et donc des franquistes. Vous voyez donc les liens, oui, ces liens entre les modernistes, certains courants juifs, et les francs-maçons sont très étroits. Parlons du chef de file du modernisme, Ernesto. Buenayuti. On s'étonne de le retrouver au Monte Verita, à Ascona, en Suisse. Ce Monte Verita était le lieu de rencontre de tous les fous du monde. Dans le dialecte lombard, il y a cette expression populaire pour désigner un fou, balabiot, qui désigne une personne qui danse nue, et c'est justement référence aux personnes qui allaient au Monte Verita. Parmi les personnages ayant visité le Monte Verita, on peut citer Lénine. Tous les ésotéristes et occultistes, même scientifiques, tels Jung avec la psychanalyse, et en général toutes les personnes ayant des liens avec l'occultisme s'y retrouvaient. Dans ces rencontres, on prenait le naturisme et toutes sortes de comportements loufoques en rapport avec l'occultisme. Et parmi eux se trouvait Boneyuti. Une autre preuve plus directe du lien étroit entre le moderniste et les francs maçons est évidente par le dialogue qui a été engagé entre eux car le dialogue voulu par les modernistes ne s'étend pas seulement aux protestants et aux religions non chrétiennes et spécialement aux juifs. Justement, quelles sont les autorités juives avec lesquelles les modernistes dialoguent J'enfonce des portes ouvertes, c'est un fait connu de tous. Ce sont les autorités du Mnaïbrit, une loge maçonnique juive fondée en 1843. Tout le monde connaît l'histoire de Jules Isaac et de ses écrits accusant les évangiles d'antisémitisme. Et de la promesse qu'il réussit à obtenir de Jean XXIII de la promulgation d'un document conciliaire changeant la position de l'Église catholique sur le judaïsme, ce qui aboutit à la déclaration Nostra Aetate. Sur Jean XXIII, ses relations vraies ou supposées avec la franc-maçonnerie sont bien connues. Beaucoup de gens prétendent qu'il aurait été initié à tel endroit ou dans un autre. Et personnellement, je doute de la véracité de beaucoup de ces documents. Mais il y a une relation qui est avérée et indubitable. Il s'agit de celle avec le baron Marsaudon. Ce dernier, qui était un franc-maçon, a écrit là-dessus. Il n'y eut jamais de démenti officiel, contrairement à d'autres prétentions provenant de certains milieux. Le baron Marsaudon, dignitaire de la franc-maçonnerie, qui fréquentait à la fois les milieux catholiques et les milieux maçonniques, était devenu un bon ami du nonce Roncalli, et même les collègues de Roncalli, à la nonciature, témoignent à ce sujet. Comme par exemple le futur cardinal Oddi. En parlant du cardinal Oddi, un document a été récemment publié où il demanderait, avec le grand maître de la franc-maçonnerie, un document en faveur de la franc-maçonnerie à Jean-Paul II. J'ignore. Si ce document est authentique, étant donné que le cardinal Oddi est mort, il ne pourra ni confirmer ni infirmer cette déclaration. Il était d'ailleurs proche des traditionnalistes. Et donc, si ce document était vrai, il serait d'un grand intérêt. L'une des promesses que Marsaudon affirme avoir obtenues de Roncalli est le changement de la discipline de l'Église au sujet de l'incinération, chose que Paul VI a faite immédiatement après son élection. Mais pourquoi l'incinération En quoi concerne-t-elle Marsaudon elle le concerne de très près car l'incinération est devenue le rituel néo païen propre de la franc maçonnerie pour les funérailles. Toutes les sociétés chargées de l'incinération en Italie sont entre les mains de la franc maçonnerie, et nous voyons qu'aujourd'hui cette coutume s'est tellement répandue qu'elle dépasse presque en nombre l'enterrement chrétien. Un autre indice Indéniable de ces liens entre les modernistes et les loges, et que tout le monde peut observer, c'est la statue dédiée au cardinal Lercaro dans la basilique San Petronio de Bologne. Un autre indice indéniable de ces liens entre les modernistes et les loges. Et que tout le monde peut observer. C'est la statue dédiée au cardinal Le dans la basilique San Petronio de Bologne. Le n'est pas autant connu que Mgr Bunini au sujet de la réforme liturgique, mais il faut noter qu'il était son supérieur et qu'il eut une très grande influence sur toute la réforme. Concernant cette statue, qui en a fait la dédicace Il s'agit d'un certain Umberto Ortonali, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui était le bras droit de Licio Gelli, de la loge P2, qui a été l'origine d'un grand scandale en Italie. On prétend que cette loge était une invention de Licio Gelli, qui avait fait dévier la franc-maçonnerie vers l'illégalité. Mais on oublie de dire qu'elle était en réalité une création du Grand Orient d'Italie, expressément prévue pour les parlementaires et les politiciens italiens, qui, voulant se réunir uniquement entre eux, allaient à la loge P2. C'était donc de ce milieu qu'était issu Ortolani, ami du cardinal Lercaro. On pourrait continuer ainsi longtemps. Le dialogue entre certains catholiques et des représentants de la franc-maçonnerie a commencé avant le Concile, plus précisément dans les années 20. Ceux qui en étaient à l'origine étaient les jésuites, qui étaient un peu des spécialistes de la franc-maçonnerie dans le but de la combattre, en particulier sous Léon XIII et justement dans la Civiltà Catholica. On pouvait lire plusieurs articles contre la franc-maçonnerie et même contre le judaïsme. Ces mêmes personnes qui luttaient contre la franc-maçonnerie ont initié le dialogue avec eux, en particulier en Allemagne et en Autriche. Et, semble-t-il, sous le patronage tout d'abord du cardinal Initzer de Vienne, et en particulier son, de son successeur, le cardinal König, qui était le principal partisan de la réconciliation avec la franc maçonnerie. Ces dialogues sont allés si loin que sous le cardinal Seppert, le préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi, sous Paul VI, fut comme licite, et cela de manière officielle, l'accès des membres de certaines loges au sacrement. Tout cela aboutit à l'abolition des canons 684 et 2335 du Code de droit canonique qui excommuniait les francs-maçons. Cette excommunication décidée par Clément XII en 1738 est depuis confirmée par tous les papes et le Code de droit canonique. A enfin été supprimé dans le nouveau code, qui ne parle même plus de maçonnerie et parle seulement de ceux qui complotent contre l'Église. Face à l'émoi et au scandale causé par cette affaire, le cardinal Ratzinger a dû faire une déclaration en prétextant que l'omission de la franc-maçonnerie était pour des raisons rédactionnelles. Il n'y avait pas assez de place pour mettre le mot permettez moi d'en rire. Il affirmait également que les francs maçons ne pouvaient pas recevoir les sacrements comme si ne pas pouvoir recevoir les sacrements et être excommunié était équivalent. En réalité il s'agit de choses bien différentes. Un catholique en état de péché mortel ne peut pas recevoir les sacrements et pourtant il n'est pas excommunié. Pour le reste, nous savons que ces déclarations des modernistes, où ils tentent de corriger le tir après être allés trop loin et trop vite, ne valent pas grand-chose. En effet, nous avons tous vu ces photos de nouvelles messes publiques et au grand jour en l'honneur des francs-maçons et où ils étaient invités. Est-ce que le prêtre ou l'évêque qui a autorisé de telles choses a été puni Rappelé à l'ordre Pas du tout est-ce que la déclaration de Ratzinger a eu un quelconque effet Aucunement. Cette déclaration a juste été publiée pour sauver les apparences. Mais elle n'a aucune valeur dans l'ordre pratique. On pourrait dire moderniste et franc-maçon, même combat. Avant de passer aux traditionalistes, je voudrais vous parler d'une dernière association les chevaliers de Colons. Ou Knights of Columbus en anglais. Cette association américaine a une grande influence. Et du temps de Ratzinger encore aujourd'hui d'ailleurs, ils influençaient des décisions au plus haut niveau de la hiérarchie. Ils ont été fondés en 1882 aux États-Unis, soi-disant pour combattre la maçonnerie, mais les catholiques intégraux. Ont toujours dénoncé les chevaliers de colon comme une association paramaçonnique. Ils possèdent en effet des rites similaires à ceux de la maçonnerie, des insignes, un rite d'initiation, des degrés, etc. Aujourd'hui, ils déclarent ouvertement qu'ils collaborent avec la franc-maçonnerie et cela ne nous étonne pas. Chez les francs-maçons, il existe un débat de longue date sur cette question. Peut-il y avoir un ésotérisme chrétien Vous savez, en particulier, chez ceux qui suivent la pensée de René Guénon, tout se résume à la question de l'ésotérisme et de l'initiation. Y a-t-il une initiation encore valable aujourd'hui Selon lui, en Orient, évidemment. Mais en Occident, il ne reste que la franc-maçonnerie, bien que déchue. Mais qu'il faudrait faire revenir à ses origines. Cette opposition entre une ancienne franc-maçonnerie qui serait bonne et traditionnelle et une franc-maçonnerie moderne, révolutionnaire et décadente est évidemment une tromperie. Comme nous l'avons vu, la franc-maçonnerie reste essentiellement toujours la même. Certains auteurs se réclament toutefois d'un ésotérisme chrétien. Rappelons d'abord l'idée principale. De la pensée guénonienne. Il existe une tradition primordiale, qui est la véritable tradition, l'unité transcendante des religions dans cette tradition primordiale, et puis il y a plusieurs religions exotériques destinées aux peuples extérieurs. Ce qu'a fait Guénon, et ce que d'autres noms ne font pas d'ailleurs, c'est qu'un homme vraiment traditionnel tout en étant lié à cette religion primordiale, à cette tradition transcendante qui dépasse toutes les religions, pratique néanmoins extérieurement une religion traditionnelle de la manière la plus stricte qui soit extérieurement. Je m'explique. Un ésotériste comme Julius Evola, qui, bien que magicien et ésotériste, n'était pas franc-maçon, mais collaborait toutefois étroitement avec eux, et était le disciple du franc maçon pythagoricien Arturo Regini, membre de l'Otheo d'Aleister Crowley. Bien qu'il se soit brouillé avec lui, par la suite, eh bien, Evola ne pratiquait aucune religion. Les Guinoniens, quant à eux, considèrent qu'ils doivent pratiquer une religion extérieurement une religion traditionnelle. Est-ce qu'en Occident il est possible de pratiquer une religion traditionnelle? La plupart pensent qu'on ne peut pratiquer que la franc-maçonnerie. Mais d'autres sont de l'avis qu'il n'est pas nécessaire, comme Guénon, de se convertir à l'islam, mais que l'on peut très bien demeurer chrétien. Il y a une préférence pour les religions orientales qu'ils voient comme un moyen de transmettre cette mentalité, mais certains recherchent plutôt des expressions traditionnelles occidentales, ou même catholiques. Certains voient d'un bon oeil le Concile Vatican II, vu qu'il a proclamé tout haut ce qu'ils pensent tout bas. C'est-à-dire que toutes les religions permettent d'accéder à cette tradition primordiale unique qui les unit toutes. Mais d'autres parce qu'il faut que la religion soit pratiquée de la manière la plus traditionnelle possible, recherche des formes religieuses traditionnelles. C'est pourquoi ces mouvances guénoniennes essaient de s'infiltrer dans nos milieux. J'en ai connu personnellement, à Écône, par exemple, des séminaristes se déclaraient guénoniens et ont été malgré tout ordonnés. Je pourrais citer des noms, certains même sont connus. D'autres distribuaient gratuitement à tous les séminaires l'ouvrage du professeur Borella, la charité profanée qui était justement de cette mouvance. Il y a un autre auteur bien connu et qui était partisan du siège vac vacant, tout comme moi. Tout le monde sait que je suis partisan de la thèse Cassissiakum. Il s'agit de Rama Kumasaramwami, un homme Très cultivé, médecin, et décédé en 2006. Ses écrits catholiques sont irréprochables. Il avait une véritable compétence théologique, ayant écrit plusieurs livres contre la nouvelle messe, la réforme des rites, de l'ordination et sur d'autres questions. Mais il était le fils d'Ananda Kumasarawami. Certes, personne n'est responsable de son propre père. À moins qu'on partage ses idées. Ananda Kumaraswamy était l'un des disciples les plus fidèles de Guénan, et il connaissait même Crowley, qui était un ami de famille. On prétend, et je ne veux, je veux ici rien affirmer avec certitude pour ne pas diffamer, qu'on aurait demandé à son fils dans quel pays il aurait aimé vivre en Inde, d'où il était originaire, ou bien aux États-Unis. Car s'il vivait en Inde, il aurait dû pratiquer l'hindouisme, mais aux États-Unis la tradition chrétienne. Il s'agit du choix de religion exotérique traditionnelle. Il y a d'autres auteurs qu'il m'est arrivé de signaler pour mettre en garde les fidèles par exemple un certain Introvigne et son bras droit Zocatelli qui sont devenus experts de toutes sortes de religions et de sectes Introvigne était autrefois lié à notre milieu et nous avons écrit plusieurs articles à son sujet sur Sadalium pour parler de Zocatelli en plus d'avoir écrit plusieurs fois sur Aleister Crowley, il a aussi fait l'éloge de Charbonneau Lassay, comme étant un moyen possible pour accéder à un ésotérisme chrétien authentique. Mais ce Charbonneau Lassay, qui écrivait dans des revues catholiques et se prétendait catholique, était en réalité un ami très proche de René Guénon et partageait ses idées. De même, on a diffusé les écrits de Valentin Tolberg, un autre ésotériste chrétien qui écrit sur les tarots et qui est prôné et propagé par von Balthasar, théologien moderniste très proche de Jean-Paul II. Le terme traditionnalisme est lui-même ambigu. Il y a un sens parfaitement correct, c'est celui que lui donnait Saint-Pidis, en disant que les meilleurs amis du peuple n'étaient pas. Les révolutionnaires, mais les traditionalistes, écrivait-il dans la lettre sur le sillon, notre charge apostolique. Mais il y a aussi un autre terme de traditionalisme, faux celui-là, qui est le traditionalisme du XIXe siècle, condamné par Grégoire XVI et par Pinoff, et qui est sous un certain aspect. L'ancêtre du guénonisme, ce traditionalisme était la philosophie de la Restauration et rassemblait en son sein de grandes figures contre-révolutionnaires comme Joseph de Maistre et le vicomte de Bonald. Mais malheureusement, peut-être à cause des faiblesses et limites de la philosophie de l'époque, le renouveau thomiste voulu par Léon XIII n'ayant pas encore eu lieu. Ou dans le cas de Joseph de Mestre, à cause de son passage par la franc-maçonnerie, eh bien, il y a cette idée en réaction avec le rationalisme des Lumières. Il y a l'affirmation que la raison est incapable de connaître la vérité, même l'existence de Dieu. C'est pourquoi la vérité est connue dans la tradition. Cette tradition a son origine dans, le, dans les temps primitifs. Il y a donc une révélation primitive qui s'est manifestée au cours des siècles dans toutes les religions, même si elle arrive parfaitement dans la religion catholique. Dans ce courant traditionnaliste il y a déjà innouché, c'est-à-dire en germe, cette idée fausse qui est venue par la suite. C'est pourquoi justement, on place et c'est vraiment quelque chose de paradoxal, le traditionnalisme du XIXe siècle. Et même de la fin du XVIIIe, parmi les ancêtres du modernisme, et pourtant les deux termes sont à l'opposé tradition d'une part, modernisme de l'autre. Et pourtant, un certain courant, qui peut encore avoir une influence à cause de motivations politiques, a des dangers et a pu amener à une idée qui est à l'opposé. Félicité de l'amener. Qui est l'auteur du catholicisme libéral, a été formé à ce courant tra traditionnaliste, de même que le père Ventura dit Orolica et plusieurs autres. Je ne veux bien sûr pas dire que toutes ces personnes étaient des francs-maçons, loin de là. Pour Joseph de Mestre, oui, il est devenu par la suite catholique, pratiquant, mais pour les autres, pas du tout. Mais toutes ces informations doivent nous amener à être particulièrement prudents. Dans mon article sur les trois anneaux, je cite l'exemple de plusieurs personnes qui, après le motu proprio de Ratzinger, essaient de se faire une place dans nos milieux. Personnes qui, jusqu'à hier, étaient des modernistes et collaboreraient avec eux sans problème et qui se découvrent du jour au lendemain traditionaliste et tente même de prendre la tête du mouvement en italie on peut citer monseigneur Bux qui parle sans arrêt de la messe de saint pie v du motu proprio du pèlerinage de la tradition mais qui publie chaque année un calendrier inter religieux avec les juifs et les musulmans voilà les gens que Ratzinger a mis à la tête de notre mouvement. Il y a également en Italie cette maison d'édition qui a même attiré certaines personnes de nos chapelles, qui s'appelle Radio Spada, et prétend faire l'union de tous les traditionalistes. Ces personnes s'unissent si bien avec tous les traditionalistes que l'on peut voir parmi eux. Une certaine dame qui tient un site appelé Chiesa et Post-Concilio, où elle critique Bergoglio, le Concile. Je ne sais pas si elle a également signé la Correggio Filialis adressée à Bergoglio. Mais cette dame tient un autre site, où elle prône le dialogue avec le judaïsme. Elle était même très haut placé dans les différentes institutions modernistes chargées du dialogue judéo-chrétien cette dame a participé au premier congrès organisé par Radio Spada contre lequel nous avons mis en garde car comment peut-on assister à un congrès où intervient une personne qui encore aujourd'hui prône le dialogue judéo-chrétien comment Peut-elle critiquer le Concile et adhérer à une initiative qui provient de Nostra etate Cela nous semble impossible, parce que nous n'avons qu'un seul visage, mais certaines personnes en ont plusieurs. On peut aussi parler d'un prêtre associé à la revue Sisi Nono, en France, connue sous le nom de Courrier de Rome, revue fondée par Don Putti, un très bon prêtre qui combattait la franc-maçonnerie, même si sa revue a dérivé après lui. Donc ce prêtre qui dit la nouvelle messe, mais qui célèbre la messe traditionnelle chez les traditionalistes, qui connaît tous les politiciens de droite, de gauche et du centre, et qui a même écrit des livres très intéressants contre le gnosticisme, l'hermétisme, la maçonnerie, mais invite. À ses conférences, Aldo Alessandro Molla, qui est l'historien officiel de la franc-maçonnerie. Un anti-maçon qui a pour grand ami un maçon renommé. On peut même voir sur Internet des congrès communs entre des vénérables de la franc-maçonnerie et ce prêtre. Certains rétorquent que ce prêtre parle mal de la franc-maçonnerie et la. Et la critique. Oui, mais il la critique à un congrès organisé par la franc-maçonnerie. Et les maçons ont été tellement outrés par ces critiques qu'ils l'ont réinvité à un autre congrès pour qu'il y critique encore la franc-maçonnerie. Ou les francs-maçons sont des imbéciles, ou bien les catholiques ne sont pas très intelligents, ou alors il y a quelque chose qui n'est pas clair. On pourrait citer plusieurs cas de ce même genre je ne veux pas forcément les accuser d'adhésion à la franc maçonnerie il peut y avoir parmi eux des gens qui sont simplement trompés, ou encore qui ne partagent pas nos idées et pensent pouvoir faire ce qu'ils font, mais j'incite à la prudence, même dans nos milieux. Toujours en Italie, une autre maison d'édition, Lindau, a surgi de nulle part, et propose des auteurs et des livres de la mouvance néo-traditionaliste. Parmi ces auteurs, il y a monseigneur Gherardini, un professeur de théologie qui vient de mourir et qui a écrit contre le concile, mais à 80 ans, parce qu'avant, il ne pouvait pas son livre a fait parler de lui et si si nono affirme qu'il est le meilleur théologien qui a écrit contre le Concile. Mais qui est le responsable de la maison d'édition Linda C'est le responsable de la société chargée de la crémation. Et si on regarde dans les listes maçonniques, on découvre qu'il s'agit d'un franc-maçon. J'avais écrit un article pour dénoncer cet homme et il m'a répondu. Non pas pour m'insulter, mais au contraire pour m'inviter et pour me proposer de devenir son grand ami. Évidemment, je n'y suis pas allé, mais c'est un phénomène intéressant. Plus vous les attaquez, plus ils tentent d'établir un contact et de se rapprocher de vous. S'ils arrivent à vous faire discuter avec eux, ils ont déjà gagné la partie parce qu'ils ont transformé votre activité en loge maçonnique où des gens d'opinions différentes discutent entre eux. Mais vous, nous ne voulons rien avoir en commun avec les francs-maçons et donc nous ne discutons pas avec eux. Je vous exhorte donc à être prudent car ces infiltrations se retrouvent non seulement dans les milieux modernistes, mais également dans les milieux traditionnalistes. Par exemple, j'ai lu récemment qu'à Paris, j'en ai parlé aussi sur sodalicium on parle de l'énéagramme. On fait des séances sur ce thème, mais cela remonte à Gurdjieff, qui est un ésotériste du même acabit que les autres dont on a parlé. Donc là encore, il faut être prudent, parce que même dans les milieux catholiques, non seulement monerdistes, mais parfois aussi de notre bord, au sens large du terme, je parle d'un milieu d'un point de vue sociologique, des idées fausses peuvent s'infiltrer. Alors, quelle est la meilleure façon de maîtriser l'opposition On peut soit la persécuter, ce que font les modernistes. Ou alors proposer à ceux qui sont dans l'opposition de bonnes places, et les modernistes le font aussi. Soit, et c'est la façon la plus subtile et la meilleure, mettre à la tête de l'opposition des gens qui représentent le pouvoir, car si vous avez à la tête de l'opposition des gens qui travaillent pour lui, l'opposition a déjà perdu d'avance. Alors quand on voit des personnages qui, jusqu'à hier, étaient des modernistes et qui le sont encore maintenant, et qui en même temps prétendent être avec nous et qui sont devenus les maîtres à penser de plusieurs personnes, savent ils ce qu'ils font? S'ils le savent, alors nous savons déjà quoi penser d'eux. Mais s'ils ne sa le savent pas, c'est encore mieux pour les modernistes car faire le jeu de l'ennemi sans s'en rendre compte donne de meilleurs résultats que faire le jeu de l'ennemi volontairement. C'est pourquoi, encore une fois, il faut se méfier. C'était l'un des objectifs de cette troisième et dernière instruction. Il y aurait encore mille choses à dire. Merci à vous.